Bonjour, coucou, merci d'être revenu, merci à tous ceux qui sont là, merci pour votre fidélité. Alors nous allons terminer les questions-réponses car il y en avait beaucoup aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés pendant cette belle journée d'automne de novembre. Alors c'est le moment de partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vais vous montrer comment poser votre question et ensuite je pourrai m'occuper des questions. Alors vous pouvez partager sur votre mur et dans les groupes cette émission. Alors est-ce que, comme tout à l'heure, il y a un problème? Est-ce que c'est que pour mes amis? Je crois que oui. Donc je vais modifier. J'ai besoin de quelques instants. Oui, c'est ça. En fait, Facebook veut que seuls mes amis participent et moi je veux que ce soit le public. Voilà, donc j'ai un petit bouton à appuyer. Voilà. C'est pour ça que c'était pas visible par beaucoup de monde. Du coup, je vais vous remettre le générique. Parce que les personnes vont arriver. Merci à mes amis d'être là. Et merci à mes futurs amis et à mes autres amis d'être là aussi. Voilà. Alors je vais vous remettre le Père Noël, il est pas mal, hein. En attendant que tout le monde arrive. Voilà, et je vais vérifier au niveau technique que tout se passe bien. Merci. Coucou, voilà. Maintenant, l'événement, cette vidéo a été mise publique. Donc vous pouvez la partager sur votre mur, sur Messenger, dans les groupes. Voilà. Désolé pour tous ces petits problèmes techniques.
C'est-à-dire que je fais la speakerine, le réalisateur, le producteur, je fais tout. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué, mais accessible. Alors, je vais vous montrer comment poser votre question pourquoi je? Alors, il suffit d'aller sur le site Qui êtes-vous et de cliquer sur pourquoi je? Là, ensuite, vous avez une autre page. Voilà, celle-ci, avec un formulaire. Et l'intérêt, voilà, de ce formulaire, c'est que vous pouvez poser votre question pourquoi je? Donc je vais répondre maintenant, et pour ceux qui ne pourront pas recevoir de réponse cet après-midi, eh bien ça sera cette semaine. Merci à tous et à toutes. Gratitude d'être avec vous. Gratitude d'être avec vous. Voilà. Donc qui êtes-vous? La rubrique pourquoi je? Alors je vais prendre la prochaine question. Voilà, dites-moi si tout va bien concernant le son. Si tout va bien concernant l'image. Donc là, moi, je peux voir vos commentaires. C'est super. Bonjour, Jonathan. Bonjour, David. Bonjour, Louis Martial. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en direct de l'atelier Pourquoi je? Et je vais traiter vos questions. Donc si vous avez des questions, allez sur quiêtesvous.com, cliquez sur pourquoi je, et vous allez recevoir des réponses maintenant. Voilà, gratitude d'être avec vous maintenant. Alors, première question de Marie Chantal. Pourquoi je vis des situations de blocage dans tous les domaines de ma vie? Pourquoi je vis des agressions psychiques depuis mon divorce avec mon ex-mari? Voilà. Ok. Alors, on va faire une respiration. Car en fait, on médite aussi pendant cet atelier. L'intérêt de faire Om, c'est de se centrer, de se connecter à ce que vous êtes et de partir en méditation. Donc vous pouvez soit vous allonger, soit ouvrir les yeux et regarder les images qui vont apparaître, car je vais mettre quelques images pendant que je traite la question. Alors, pourquoi je vis des situations de blocage dans tous les domaines de ma vie? Alors, la vraie question, c'est pourquoi tu n'es pas aligné avec l'être. En fait, il y a en toi deux choses. Il y a une personne, un ego, auquel pour le moment tu es identifié, et donc c'est pour ça que tout est bloqué et que tout freine. Et il y a aussi l'être, la conscience que tu es, qui elle a envie d'autre chose. Elle a l'envie de libération, de sortir de cette prison mentale, et elle a l'envie d'enlever toutes les croyances limitantes. C'est pour ça que tu as posé la question dans le formulaire et que tu es avec nous maintenant. Il n'y a pas de hasard. Alors, donc la question derrière, c'est pourquoi je m'identifie au corps de souffrance, pourquoi je m'identifie à la personne qui vit tous ces problèmes. Alors, les problèmes d'agression psychique, derrière ça, il y a pourquoi j'accepte qu'on me parle mal, pourquoi j'accepte la négativité de certaines personnes, pourquoi je ne m'aime pas suffisamment pour dire non. Alors, une respiration ensemble. Alors, la vie se résume à deux choses. C'est une façon de voir. Soit la fluidité, soit les blocages. Donc là, tu me dis qu'il y a des blocages dans ta vie. S'il y a des blocages, c'est parce que tu es aligné avec l'ego, le corps de souffrance, et que le personnage ne sait pas comment en sortir. À partir du moment où tu vas t'aligner avec l'être, et ça peut se faire progressivement à partir de maintenant, eh bien, tout va se débloquer. C'est comme s'il y avait deux chemins, un chemin à droite et un chemin à gauche. À droite, c'est fluide,
À gauche, c'est embouteillé. Quand dans votre vie il y a un blocage, eh bien c'est tout simplement que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou que ce n'est pas la bonne personne. Il y a des personnes avec qui c'est fluide et il y a des personnes avec qui c'est bloqué. Tout ça va dépendre d'une seule chose, de votre capacité à vous aimer et à dire oui à la fluidité. Alors on va dire quelques affirmations pour fluidifier tout ça. Alors évidemment, derrière cette question de l'être, il y a comment je fais pour me désidentifier du corps de souffrance pour aller vers l'être. Hein. Donc ça, c'est les méditations que nous faisons le matin à 10h30, qui permettent d'entrer dans des états modifiés de conscience de façon à créer de l'espace entre toi et les pensées. Ok? Super, merci, merci Marie-Chantal. Alors nous allons faire quelques affirmations. Allô? Vous m'entendez bien? C'est magnifique. Alors dites avec moi. Je suis la présence. Je suis la présence. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les pensées. Je m'aligne maintenant Je m'aligne maintenant. sur l'être. Je ne suis pas le corps de souffrance. Je ne suis pas le corps de souffrance. Je suis la présence. Je suis la présence. Gratitude d'être. À toutes les parties de moi. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je suis reine dans mon royaume. J'élimine la croyance que je ne suis pas reine. Que je ne suis pas roi. Je suis reine Je suis roi. dans mon royaume. À mon ex-mari, je t'aime. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À tous mes ex-conjoints, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Merci.
dites avec moi, je suis la fluidité. Je suis la fluidité. Je ne suis pas l'ego. Je ne suis pas l'ego. Qui résiste. Qui résiste. Je ne suis pas l'ego. Je ne suis pas l'ego. Qui force. Qui force. J'accepte. J'accepte. De vivre toutes mes émotions. De vivre toutes mes émotions. Merci Marie-Chantal, merci, merci. Alors je fais un traitement rapide des questions pourquoi je. Ceux qui veulent la version longue d'une heure, vous pouvez nous contacter sur le même formulaire dans la rubrique rendez-vous de session privée. Depuis un an, nous faisons cet atelier. Et il y a beaucoup, beaucoup de réponses dans les ateliers précédents. Et il y a aussi beaucoup de réponses dans les livres qui ont été créés grâce à ces ateliers. Donc il y a la série de livres à l'odieux. Il y a une nouvelle série qui arrive qui s'appelle Pourquoi je. Voilà, donc toutes les réponses sont retranscrites et permettent d'aider beaucoup de monde. Voilà, merci Marie-Chantal. Alors, question suivante de Vincent. Pourquoi je me sens embrouillé? Alors, une respiration tous ensemble. Alors, derrière ta question, Vincent, pourquoi je me sens embrouillé? Il y a pourquoi je suis en mutation? Pourquoi je suis en train de me transformer? Pourquoi je suis en train de me métamorphoser? Pourquoi je suis en train de m'alchimiser? Et c'est ça, c'est cette modification de tes structures psychiques qui crée ce sentiment, cette impression d'être embrouillé. Voilà. Alors, chaque étape d'éveil, chaque étape de réalisation du soi, en fait, c'est l'ego, le personnage, les structures psychiques et mentales qui soit se désagrègent, soit se modifient. Par exemple, vous étiez avec quelqu'un en couple et ce quelqu'un abusait de vous, pour donner un exemple classique qui est très souvent d'actualité. Eh bien, la réalisation que vous avez été manipulé ou que l'autre a abusé de vous va créer une émotion, donc vous allez pleurer. Et ensuite, il y aura une reconstruction, une dissolution, puis une reconstruction de la personnalité. Donc c'était pour donner un exemple. Là, dans ton cas, Vincent, donc c'est l'éveil, la réalisation du soi, toutes les pratiques que tu fais qui t'amènent à dissoudre ton personnage à chaque fois que tu tombes amoureux, à chaque fois que tu t'abandonnes, et je sais que tu es un expert, eh bien, un nouveau personnage se recrée à partir des nouvelles compréhensions, à partir des nouvelles réalisations. Et c'est ce nouveau personnage qui va renaître, en fait, qui meurt et qui renaît, qui meurt et qui renaît. Alors, pendant ces phases de transition, eh bien, il est tout à fait normal de se sentir embrouillé, aussi de se sentir perdu, de perdre ses repères. Alors, plus vous allez faire les ateliers du dimanche, en méditation et en questions-réponses, et plus vous risquez de vous sentir momentanément déstabilisé, embrouillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les croyances d'antan n'existent plus et de nouvelles lignes de code, en fait, sont installées. Alors, tout le travail que nous faisons est de vous redonner votre pouvoir. Donc, votre pouvoir, c'est d'être vous-même, d'être votre propre maître et de ne pas accepter les lignes de code, les croyances qui viennent de papa, de maman, de la société, de l'extérieur, ni même de ce que vous voyez à la télé, y compris cette émission. Ce qui est important, c'est que vous allez rechercher en vous votre vérité et que vous éliminiez vos croyances pour que vous puissiez vous aligner, voilà, sur l'être en vous. La vérité, votre vérité, est en vous. Il y a l'illusion, la croyance que la vérité est à l'extérieur de vous, quelque part. Eh bien, ça n'existe pas. La vérité ne peut être que en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le divin. Vous êtes venu vivre une vie pour réaliser des choses. Et
il va y avoir pas mal d'étapes. Donc, les étapes, ce sont des étapes dites d'éveil, donc de désidentification. Par exemple, si vous tombez amoureux, eh bien, votre personne se déconstruit et à la fois vous êtes horriblement dans le bonheur et en même temps horriblement en dissolution. Au début, en tout cas. Après, vous n'êtes que dans le bonheur. Alors, une respiration ensemble et un home. Des affirmations justement d'alignement pour amener la clarté, car c'est le personnage qui est embrouillé. Le vrai toi, l'être, n'est pas embrouillé du tout. Alors, une respiration. Dites avec moi. Je suis la présence. Je suis la présence. Je suis la présence. Je suis la conscience. Je suis la conscience. J'active la clarté en moi. J'active la clarté en moi. Voilà, dites-le comme une actrice, comme un acteur, pas en répétant. Dites avec moi, je suis la clarté. Je suis la clarté. Je suis la clarté. Je suis la clarté. J'active le discernement. J'active le discernement. Je m'aligne maintenant Je m'aligne maintenant. Sur la plus haute partie de moi. Sur la plus haute partie de moi. Je clarifie Je clarifie qui je suis. Qui je suis. Je clarifie ce que j'aime. Ce que j'aime. Je clarifie Je clarifie ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas. Je définis. Je définis. Je définis mes priorités. Je définis mes priorités. Vincent, après cette session, cet atelier, prendre une feuille, un crayon et faire deux colonnes. Une colonne, ce que j'aime, ce que je veux. Une autre colonne, ce que je n'aime pas, ce que je ne veux pas, de façon à augmenter la clarté. Car à chaque fois que le personnage meurt, et il est tout à fait normal que le personnage meure, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'un nouveau personnage apparaissent. Évidemment, tu n'es pas le personnage, mais tel un vêtement, le personnage est utile pour ta vie. Et tu peux changer de personnage, c'est ça qui est sympa. À partir du moment où vous vous désidentifiez, à partir du moment où vous vous désidentifiez du personnage, eh bien, vous pouvez changer de personnage. Quand vous êtes identifié à un personnage, vous êtes toujours le même personnage, c'est le problème. Créez de l'espace entre vous et le personnage, voyez que vous êtes la conscience, puis soit vous modifiez votre personnage, soit vous créez plusieurs personnages et vous vous identifiez le moment venu, en cas de besoin, à un personnage correspondant à ce qu'il y a à faire dans le moment, dans la présence. Voilà. Il n'y a aucun problème avec l'ego et le personnage. Non. Ce qui est important, c'est de voir ce que vous êtes réellement et d'utiliser les personnages tels des vêtements. Par exemple, vous êtes à la montagne, il fait froid, il fait moins 20, vous allez aller skier. Eh bien, vous allez prendre le personnage skieur avec sa combinaison. Il serait ridicule d'aller en maillot de bain skier, n'est-ce pas? Vous êtes à la plage, il fait 29 degrés, vous êtes en Thaïlande, à Koh Phangan. Eh bien, vous allez non pas mettre votre vêtement de ski, mais vous allez mettre votre maillot de bain, voyez? Donc, en fonction de la situation et du moment, vous allez pouvoir choisir un personnage adapté. Par exemple, vous êtes avec un amoureux et ou une amoureuse. Et votre amoureux, votre amoureuse vous parle mal. Eh bien, vous allez changer de personnage. Vous allez passer du personnage je suis la tendresse, le romantisme, la joie, à je suis la guerrière, le guerrier. Voilà. Car le discernement, c'est de choisir le bon personnage au bon moment. Si vous avez qu'un seul personnage, comment vous allez pouvoir survivre, réagir, vivre et être vous? La question derrière, c'est pourquoi cette incarnation humaine? Réponse pour vivre plein d'émotions. Réponse pour peaufiner vos personnages. Qu'est-ce qu'un génie? Un génie, c'est quelqu'un qui va utiliser le bon personnage au bon moment. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Ah, je suis la bonne personne au bon endroit au bon moment. Eh bien, c'est ça. Plus vous allez vous désidentifier, plus vous allez
vous réalisez et plus vous allez vous aligner avec l'être, et plus ce n'est pas vous, mais l'être qui va jouer son rôle. Et c'est là qu'on arrive vers le théâtre. Alors qu'est-ce que c'est le théâtre? Car je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de théâtre qui me regardent. Eh bien, le théâtre, c'est apprendre à changer de personnage et c'est apprendre justement à vous identifier au bon personnage au bon moment. Plus vous allez vous autoriser à jouer des scènes d'émotion, par exemple la scène drama qui peut être très sympa en couple. Les Brésiliens et les Brésiliennes sont très drama, hein, ainsi que tous les Latins. Voilà, bonjour à l'Italie, au Portugal et au Brésil. Et c'est sympa de jouer le drama et de jouer l'humain à fond. Alors, une respiration, on va faire un home. Alors, nous allons faire quelques homes ensemble pour activer et intégrer tout ça. Il se trouve que j'ai des images graphiques magnifiques. Alors, faites un home avec moi. Alors n'oubliez pas de boire. Car en fait, il est essentiel de boire pour bien intégrer eh bien, tout le travail que nous faisons. Car le travail que nous faisons est extrêmement puissant. Merci Vincent. Merci, merci beaucoup Vincent. Allez, un autre home. Merci, merci Vincent pour ta belle question. Alors je vais prendre la question suivante. Voilà donc, il y a peut-être quelques problèmes sur le site Qui êtes-vous ? Mais c'est pas grave parce qu'on a eu déjà beaucoup, beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors, il est probable, pour ceux qui ne sont pas passés, il est probable que vous allez être obligé de reposer votre question quand le service technique refonctionnera. En attendant, on a beaucoup, beaucoup de questions qui sont arrivées déjà, donc on a de quoi faire. Alors, question maintenant de Denise. Bonjour Denise. Alors, pourquoi je n'arrive pas à me détendre? Belle journée. Alors Denise, la question derrière... Alors attendez, on va voir où est-ce qu'on en est. Une respiration. On va refaire un home. Alors justement, Denise, ta question, pourquoi je n'arrive pas à me détendre? Pourquoi nous faisons des homes? Pourquoi je parle lentement? Pourquoi je suis dans un état modifié de conscience?
d'après vous? Réponse, justement, pour s'aligner avec la présence. Alors, c'est comme si il y avait deux choses en toi, Denise. Il y a d'une part la conscience, l'être, la vie, la présence, l'intelligence. Une respiration. Et il y a aussi l'ego, le personnage qui a été créé par le mental. Alors, le mental, qu'est-ce que c'est? Le mental, c'est un système de modélisation de la réalité. Il y a une compréhension à avoir, qui est dans le livre Qui êtes-vous, que vous créez, tu crées, Denise, ta réalité. Donc, vous créez votre réalité. Et il y a aussi une compréhension à avoir qui est, vous êtes dans une dimension, vous êtes dans un monde, un univers, vous avez l'impression que tout est à l'extérieur de vous, en réalité tout est à l'intérieur de vous. Ça veut dire que c'est vous qui créez tout ce qui arrive dans votre vie, d'accord? Ça veut dire que tout est voulu, incluant le fait d'être là maintenant avec moi. Il n'y a pas de hasard du tout, il n'y a pas un millimètre de hasard. Pourquoi? Parce que c'est vous qui créez tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Alors, une respiration avec moi. Alors, la question, c'est qui n'arrive pas à se détendre? D'après toi, Denise, est-ce que c'est l'être ou est-ce que c'est le personnage? Qui peut être tendu ou détendu? Donc évidemment, c'est l'identification à l'ego au personnage qui lui est tendu. Alors, le personnage est tendu, c'est pas de sa faute, il n'est pas coupable, il est juste en mode hamster, ça tourne dans la tête, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de stress, car le personnage ne sait pas qui il est, le personnage ne sait pas pourquoi il est là, le personnage ne sait pas comment réagir face à ce qui arrive. Le personnage se sent victime de l'univers, alors que l'être est le Dieu créateur, voyez? Alors, pourquoi le personnage n'arrive pas à se détendre? Et pourquoi le personnage est tendu? Alors, qu'est-ce qui peut être tendu en toi, Denise? On va fermer les yeux. Donc chacun se pose la question, qu'est-ce qui est détendu, qu'est-ce qui est tendu en moi? Une respiration et ressentez maintenant dans votre corps ce qui est tendu et détendu. Alors, nous allons justement détendre un peu le corps physique en travaillant les épaules comme ça. Donc vous pouvez ouvrir les yeux et regarder avec moi. Voilà, tout simplement, faites des mouvements d'épaule pour détendre le dos. Alors, il y a autre chose à comprendre. Voilà, donc mettez-vous en mode automatique et laissez le dos bouger. On s'étire. On va se détendre ensemble. Donc voilà, laissez votre corps faire les mouvements dont il a besoin. Alors c'est différent pour chacun. Alors je vais me détendre, je vais détendre les joues. Alors vous pouvez faire un massage des joues et détendre les joues. Ça va vous faire des économies de spa. Voilà. Plus vous allez détendre votre corps physique, plus vous allez détendre votre corps physique, et plus votre corps physique sera détendu, n'est-ce pas? Par des massages, par du stretching, par du yoga, par du tai chi, par du qigong, par de la danse, par du sport. Alors, l'autre point à comprendre, c'est qu'il y a un lien direct entre le corps physique
et le corps mental. C'est-à-dire que si vous êtes stressé dans la tête, vous allez être stressé dans votre corps. Et quand je me connecte à toi, Denise, je vois bien que c'est comme une boule de nerfs, que tu es toute nerveuse. Tu vois? Alors, je te recommande donc du yoga. Je te recommande de la présence et du tai chi. D'ailleurs, je vais mettre, pour agrémenter ce que je dis, le magnifique film, je donnerai le nom plus tard, de l'être éveillé qui est dans la présence. Regardez ça. Si vous vous connectez à ces images, vous allez automatiquement vous détendre. Regardez ça. Une respiration avec moi. Regardez. Comment, dans la présence, ce maître Shaolin bouge son corps. Il est le mouvement. Il est la présence. Regardez comment, grâce à la présence, tous ces mouvements sont faits. Au ralenti, pas à pas, dans la présence. Une respiration. Connectez-vous à lui et nous allons faire un home ensemble. Avec moi, je suis le mouvement de la vie. Faites les mouvements en même temps que le maître Shaolin. Faites les mêmes mouvements dans la présence. Faites ce que vous pouvez. Il n'y a pas de souci à être débutant. Voilà, laissez votre corps chez vous bouger. Vous pouvez vous lever. Le public ici dans la salle, vous pouvez vous lever et faire les mouvements du maître Shaolin. Voilà, bougez votre corps. En mode pas à pas, faites comme lui, connectez-vous à lui et ressentez le chi, ressentez l'énergie. Allez à la même vitesse que lui. C'est un exercice de détente simple, facile. Des mouvements spontanés. Laissez votre corps danser. Levez-vous.
Laissez votre corps faire des mouvements. Connectez-vous à ma voix et connectez-vous à ce maître Shaolin. Laissez votre corps décider du mouvement. Cette pratique de Qigong spontané vous permet maintenant de bouger votre corps dans la présence. Pas besoin d'apprendre des mouvements, vous apprendrez plus tard quand vous aurez le temps. Là, en attendant, vous pouvez faire des mouvements. Une respiration. Voilà, faites n'importe quel mouvement du moment que vous le faites en présence, c'est ça qui compte. Nous allons maintenant faire un Om depuis le Hara. Fermez les yeux et faire au ralenti des mouvements avec les mains comme ce maître Shaolin. Laissez le mouvement vivre à travers vous. Vous pouvez rester debout, vous accroupir, en restant droit, remonter, bouger les jambes. Dites avec moi, je suis la souplesse. Je suis la fluidité. Je suis la fluidité. Je suis tout ce que je suis. Je suis. Je suis le mouvement de la vie. Tout doucement, à la même vitesse que ce maître Shaolin. Et vous irez un peu plus vite plus tard quand vous serez expérimenté. Voilà, connectez-vous à lui, ressentez sa présence et voyez l'éveil, la présence du corps physique. Ressentez maintenant dans vos mains le chi, ressentez l'énergie. Continuez à bouger, bougez dans toutes les directions, bougez votre corps, dites avec moi. Je m'abandonne, à mon corps physique. Laissez votre corps physique bouger tout seul. Dites avec moi. Je ne suis pas le mental. Je laisse mon corps être. Je laisse mon corps vivre. Je laisse mon corps être. Une inspiration.
Voilà, continuez à faire des mouvements. Une respiration, on va faire un Om. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. C'était une petite pause corps physique. Et nous allons bientôt faire des émissions sur le yoga et le Qigong. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc, juste avant, pour terminer, Denise, plus tu vas t'aligner sur la fluidité en faisant du Tai Chi, du Qigong, des massages, plus tu vas te désidentifier du mental et de l'ego, et plus tu seras détendu. Merci. Alors, question suivante de Sylvie. Pourquoi je n'arrive pas à être en bonne santé? Pourquoi suis-je si inquiète? Ai-je si peur? Pourquoi moi? Pourquoi serais-je R? Pourquoi je souffre tous les jours depuis si longtemps? Pourquoi j'ai des acouphènes? Alors, une respiration. Ta question, il y a pourquoi je suis dans le déni de mon corps physique? Car pour être en mauvaise santé, il faut le faire exprès. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Alors, on va faire une respiration. Donc la question, c'est pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi je n'aime pas mon corps physique? Pourquoi je me trouve pas belle? Pourquoi je me déteste? Pourquoi j'ai la croyance que je ne peux pas être aimée? Pourquoi j'ai la croyance que je n'ai rien à faire sur Terre? Pourquoi je suis dans le rejet de ce que je suis? Pourquoi je n'ai pas compris que mon corps était un temple? Pourquoi je n'ai pas compris que j'étais divine? Alors tout ça là, c'est parce qu'en fait, ce que tu es, la conscience, l'être, quand elle est arrivée sur Terre en tant que bébé, elle a copié-collé les systèmes psychiques de papa-maman, qui eux étaient déjà dans le déni, en fait. Et voilà, et ça vient de là. Alors, comment faire pour réaligner tout ça? Car l'être que tu es, si... ce que tu as posé cette question dans le formulaire qui est de vous, hein, c'est simplement parce qu'en fait, tu recherches une issue et tu voudrais sortir de cette prison. Alors, c'est possible. Il suffit, un, de se désidentifier de l'ego en méditant, et deux, de réinformer l'inconscient. Alors, on va faire quelques ohms, quelques respirations, et dire des phrases pour réaligner sur l'être et pour... modifier deux trois petites choses. Alors, une respiration. Je vais vous mettre des images de géométrie sacrée en parallèle. Voilà. Faites un home avec moi.
Dites avec moi. Mon corps est mon temple. Je suis une déesse. Je suis la vie. Avec moi, à mon corps physique, je t'aime, je suis désolé, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je te pardonne tout. Merci pour cette belle question sur la santé. Alors, voilà, c'est un pourquoi je par personne, car en fait, vous êtes nombreux et nombreux. Voilà, merci, merci, merci. Alors, message de Patrick. Pourquoi je bloque ma créativité? Pourquoi je bloque ma puissance dans ma vie professionnelle, dans mes relations avec les femmes? Dans l'action de guidance et de partenariat avec les êtres des mondes subtils. Alors, on va faire une respiration. Alors, pourquoi je bloque ma créativité, chakra 2? Les relations avec les femmes aussi, la sexualité, la puissance dans la vie professionnelle. Donc c'est un blocage des chakras 2 et 3 et 1. Donc la question c'est pourquoi j'ai peur de mon pouvoir personnel? Pourquoi j'ai peur de ma puissance divine? Pourquoi j'ai peur de la vérité? Pourquoi j'ai peur de la réalité? Pourquoi je sais au fond de moi ce que je suis? Une respiration, un om, vous pouvez fermer les yeux avec moi. Pourquoi j'ai peur d'être ce que je suis? Pourquoi j'ai peur de me réaliser? Pourquoi j'ai peur de me manifester? Réponse, parce que vous êtes l'infini. Vous êtes le divin. Vous êtes une déesse créatrice, un dieu créateur. Et vous êtes la puissance. Vous êtes quelque chose de sacré. Vous êtes le sacré. Alors, évidemment, tout ceci, ça fait peur. Et évidemment, tout ceci, c'est puissant et ça fait peur à l'ego, à l'humain. Le vrai toi n'a pas peur de lui-même. Évidemment, le vrai soi n'a pas peur de soi. Par contre, c'est une incompréhension de l'ego du personnage qui crée, en fait, ce blocage. Donc pourquoi tu as peur de ton génie? Pourquoi tu as peur de ta puissance créatrice? Pourquoi tu as peur de l'extase, et incluant les extases sexuelles et les extases de créativité? Réponse, parce que tu as peur de la vie en fait. Et pourquoi tu as peur de la vie? Parce que la vie est la force la plus puissante de tout l'univers. Alors évidemment,
si tu t'identifies à un humain faible, à un humain victime de l'univers, tout ça, ça fait peur. Si tu t'identifies à un humain divin, être créateur, eh bien tout ça, c'est parfait. Car c'est cette force, en fait, qui va te traverser et c'est cette force qui va te permettre la libération amoureuse et la libération dans le travail et la libération créatrice. Cette force de vie, c'est cette force qui te donne des messages positifs et qui te donne des idées à chaque instant. C'est extrêmement puissant. C'est l'être. Alors, une respiration et un om ensemble. Voilà, merci pour ta question, Patrick. Donc, comment résoudre tout cela? Simplement en continuant les ateliers du dimanche matin, en méditant et en continuant à dire les affirmations. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire pour cette question? Ah oui, l'action des guidances partenaires avec les êtres subtils. Les êtres du monde subtil, eux, sont déjà, pour la plupart, réalisés, éveillés avec un haut niveau de conscience. Donc, si tu as peur du Dieu créateur, c'est moins facile évidemment. À partir du moment où tu es Dieu créateur et que tu sais que c'est toi qui les as créés et que c'est eux qui t'ont créé, il y a une relation d'égalité. Et c'est cette relation d'égalité, d'authenticité qui va permettre plus de fluidité avec les êtres des mondes subtils. Alors, les êtres des mondes subtils sont de toutes sortes, hein. On voit bien dans les livres de Jan Lipnik. Il y a une belle description de tous ces êtres. Par exemple, on voit bien aussi avec Christophe Alain, qui a fait des livres magnifiques, on voit bien que ces êtres subtils ont leurs qualités et leurs défauts, entre guillemets, et ils ne sont pas supérieurs ou inférieurs à vous, puisqu'ils sont vous. La question, c'est si, comment être soi avec eux. Donc si toi, tu n'es pas toi, mais identifié à l'ego, un personnage, c'est nettement moins intéressant. En même temps, tu vas accéder aux êtres subtils dont tu as besoin pour faire l'expérience dont tu as besoin. Il est important de se rappeler que tout est en toi. Voilà, merci Patrick pour cette belle question. Alors, question suivante. Alors, de Corinne. Alors, Corinne, pourquoi je ne trouve pas ma mission d'âme? Donc, ça, on a répondu tout à l'heure. Donc, il faut regarder l'émission précédente. Aussi, il y a dans les livres à l'audio qui sont diffusés sur Amazon. Plein de réponses, puisque ça fait quasiment un an que nous faisons cette émission. Donc il y a plein de choses qui reviennent. Pourquoi je ne trouve pas la personne qui me correspond aussi, ça c'est déjà répondu. Je vais répondre par écrit en fait, hein, parce que ça c'est des personnes qui n'ont pas fait les ateliers précédents. Et là, il y a eu, ça a été répondu déjà au moins 3 ou 4 fois, pour dire un petit peu quelque chose rapidement. Pourquoi je ne trouve pas ma mission d'âme? La vraie question derrière, c'est qui es-tu? Car ta mission d'âme, c'est d'être toi-même. Voilà. Donc, la question, c'est pourquoi je ne trouve pas qui je suis? La réponse, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de méditation, il n'y a pas eu assez de désidentification de l'ego de la personne. Donc, plus vous allez vous désidentifier de l'ego de la personne, et plus vous allez être identifié à l'être, ce que vous êtes réellement. En fait, en enlevant tout ce qui n'est pas vous, vous allez finir par être vous. Voilà. C'est amusant, hein? Donc ça répond à 1. Ensuite, bah, il y a des réponses plus globales qui ont déjà été faites. Pourquoi je ne trouve pas la personne qui me correspond? C'est pareil. Ça va avec. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas trouver la personne qui te correspond. Car tu risques, et c'est probable, de jouer une personne qui n'est pas toi. Donc c'est cette personne qui n'est pas toi qui va rencontrer quelqu'un. En général, ce quelqu'un, il n'est pas lui non plus. Il est juste l'image de lui-même, puisque tu risques de rencontrer quelqu'un d'identifié à l'ego. Donc, quand quelqu'un identifié à l'ego rencontre quelqu'un identifié à l'ego, alors, si les deux tombent amoureux, c'est quand même sympa, les deux vont se désidentifier un peu et se dissoudre. Et il restera quelque chose de plus grand. Alors, si la désidentification n'est pas totale, un ego va ressurgir et là, plein de problèmes vont arriver. Et tu vas te retrouver dans la situation où ça ne marche pas. Et ensuite, tu poses la question, pourquoi je ne trouve pas la personne qui me correspond? En vérité, la personne qui te correspond, c'est toi-même. Et c'est toi-même que tu vas manifester dans ta réalité. Autrement dit, si tu ne trouves pas la personne
qui te correspond, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore été toi-même. C'est un paradoxe. Plus tu vas être toi, et plus tu vas générer dans ta réalité un autre toi dans le corps de quelqu'un d'autre. Et là, ça va bien se passer, parce que tu seras authentique, totalement désidentifié, et donc tu seras l'être, la présence, l'amour, la joie, la vie. Tu vois ? Si tu es identifié à une personne, cette personne va tomber amoureuse de l'image de l'autre. Et l'autre va faire pareil. Et ça marche pas. Tu vois ? Donc là, voilà, tu as des éléments de réponse par rapport à cela. Donc, l'idée, c'est l'authenticité, la désidentification. Plus tu vas être toi, et plus tu vas créer toi dans le corps de quelqu'un d'autre, dans ta réalité. Voilà. Merci pour cette belle question. Alors, nous sommes maintenant à Isabelle. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont envoyé leurs questions depuis la semaine dernière. Et pour ceux qui ne vont pas passer cet après-midi, il y en a certainement, eh bien, donc vous recevrez par email. Et pour les autres, donc vous pourrez aussi poser les questions pour la semaine prochaine, bien entendu, par le même formulaire quiêtesvous.com et dans la rubrique « Pourquoi je ?». Alors, bonjour Sébastien, pourquoi je ne trouve pas d'emploi de la part d'Isabelle ? Alors, une respiration et un home. Donc derrière ta question, pourquoi je ne trouve pas d'emploi, Isabelle, il y a la question, pourquoi il y a un conflit entre mon être, ma conscience et mon ego. Car l'être, la conscience, est déesse créatrice. Il n'y a aucun problème pour elle pour créer quelque chose dans sa réalité. Il y a un conflit entre l'ego, le personnage qui veut quelque chose, et l'être qui veut autre chose. L'être veut être juste lui-même, elle-même, et l'ego, le personnage, veut faire plutôt tel ou tel job pour d'autres raisons. Ça ne marche pas, et donc du coup, tu ne trouves pas. L'idée, c'est que tu t'alignes sur le vrai être, toi, et que tu fasses ce qui te plaît. À partir du moment où tu feras ce qui te plaît, déjà, un, tu pourras créer ta propre société, ton propre emploi. Parce qu'il y a dans ta question la croyance que tu dois trouver un emploi. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois non pas trouver un emploi, mais avoir une activité qui te permette de gagner de l'argent et de vivre. Tu vois la différence. Il y a dans ta question comme si tu ne pouvais pas créer ton propre emploi. C'est marrant, hein ? Comme s'il fallait trouver un emploi. Or, ça marche pas comme ça. C'est toi l'emploi. Et oui, l'emploi est en toi déjà, puisqu'il n'y a que toi dans l'univers. Oui. En fait, si tu lis qui êtes-vous, tu vas voir que tu crées ta réalité et que tu n'es pas l'ego, le personnage. Et tu vas voir que tu es la conscience. Que tu t'es incarné dans Isabelle pour être Isabelle. La question, c'est qui est Isabelle ? Isabelle, il y a une liste de choses qu'elle aime, une liste de choses qu'elle n'aime pas. Si tu te concentres sur ce que tu aimes et que tu fais ce que tu aimes et que tu t'autorises à être toi et à faire ces choses, eh bien automatiquement, une activité et donc des services, des produits vont apparaître. Et c'est en vendant ces services et des produits que tu pourras eh bien, gagner de l'argent. Tu vois ? Donc là, je t'encourage à me contacter pour une session privée. Parce que là, il y a plein de choses à faire, notamment aussi avoir les ateliers sur Lakshmi. Il y a beaucoup d'ateliers gratuits sur Lakshmi. Je vais faire une page pour référencer tous les ateliers, parce qu'en fait, ça fait 52 ateliers quasiment, ça fait un an qu'on fait ça. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder. Les ateliers sont sur YouTube et Facebook. Hein. Voilà. Donc, et ça va te permettre justement d'activer l'abondance en toi. C'est une question récurrente. Merci Isabelle. Alors, question de Julien. Alors Julien, on va faire une respiration d'abord. Alors Julien, pourquoi j'ai des comportements addictifs ? Alors la question c'est pourquoi, la question derrière, hein, pourquoi j'ai des traumas à résoudre ? Pourquoi j'ai des émotions stockées à vivre? Et ce sont ces émotions stockées qui vont permettre la libération. Donc la question c'est qui a des comportements addictifs? Et la question c'est des manques de quoi? Car derrière un comportement addictif, il y a un manque et une fuite.
Alors, on va faire une respiration. Je vous mets des mantras, enfin des pas des mantras, de la géométrie sacrée. Voilà. Et nous allons faire des om dessus. Voilà, regardez cette belle image magnifique. Il y a beaucoup d'artistes dans ce monde. Alors, une respiration. Alors, dites avec moi, je suis la présence. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Je neutralise Je neutralise mon système de fuite. mon système de fuite. Je ne suis pas celui qui fuit. Je ne suis pas celui qui fuit. Une respiration. Je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai pas besoin de fuir. Car je suis car je suis tout. tout. J'élimine la croyance J'élimine la croyance que je peux me fuir. Me fuir. Je ne peux pas me fuir, Je ne peux pas me fuir. car je suis car je suis l'univers. l'univers. L'univers l'univers ne peut pas fuir. ne peut pas fuir. L'univers. l'univers 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 peut être peut être ce qu'il est ce qu'il est déjà. déjà. Une respiration ensemble. Dites avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies, Dans cette vie et dans toutes mes vies, j'envoie de l'amour j'envoie de l'amour aux personnages qui souffrent, aux personnages qui souffrent, à mon personnage. mon personnage. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Merci. Merci. Il n'y a pas de manque en toi. Il n'y a pas de manque en toi. Car tu es tout. Car tu es tout. Une respiration. Avec moi, je m'aligne Je m'aligne sur l'être, sur l'être, sur la conscience, sur la conscience, sur la présence que je suis. que je suis. J'élimine maintenant tout comportement addictif. tout comportement addictif. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas l'ego. Je ne suis pas l'ego. Je m'abandonne Je m'abandonne à l'amour. En moi. moi. J'aime mon corps physique. J'aime mon corps physique. Je ne mets pas de produits toxiques Je ne mets pas de produits toxiques dans mon corps physique. dans mon corps physique. Je ne force pas Je ne force pas mon corps physique. mon corps physique. Je m'aligne Je m'aligne sur la fluidité. sur la fluidité. Une respiration. Merci beaucoup, Julien, pour ta belle question. Alors, question suivante. Question d'Elisabeth. Pourquoi je ne réalise pas le soi? Alors, Elisabeth, on va faire une respiration ensemble, tous ensemble, une respiration et un om. Thank you.
Je vais vous mettre des belles images d'éveil et vous allez vous connecter avec moi sur ces images. Nous sommes sur le sujet de la réalisation du soi. Une respiration. Faites un om en regardant cette image. Om. Il y a la croyance dans ta question qu'il y a le soi qui doit être réalisé. Or, le soi est déjà réalisé. En vérité, tu as déjà réalisé le soi. Une respiration. La question derrière ta question, c'est qui réalise le soi? Qui peut réaliser le soi? Évidemment, seul le soi réalise le soi. Et le soi a déjà réalisé le soi. Et en vérité, quand tu es arrivé sur Terre, tu étais déjà réalisé. Car le soi, lorsqu'il s'incarne dans les bébés, est déjà réalisé. Chaque bébé est un Bouddha, chaque bébé est éveillé. Chaque bébé est déjà désidentifié, chaque bébé réalise, chaque bébé est une réalisation du soi en fait. En tant que bébé et en tant qu'humain, le soi a déjà été réalisé, car le soi est déjà le soi. Une respiration. Avec moi, gratitude de recevoir la grâce de Ramana Maharshi. Gratitude de recevoir la grâce de Ramana. Ramana Maharshi, qui vivait à Tiruvannamalai, en Inde, sur la montagne de Shiva, bien Ramana Maharshi a médité toute sa vie et a réalisé le soi. Et s'est rappelé de ce qu'il était. Car en réalité, réaliser le soi, c'est se rappeler. Regardez bien les yeux de Ramana Maharshi et recevez une initiation de lui maintenant. Voilà, mettez l'écran en grand, regardez bien. C'est une photo très rare de Ramana Maharshi où on peut vraiment se connecter à son âme. Les yeux sont une fenêtre. Restez dans les yeux de Ramana Maharshi avec moi. Faites une respiration et un grand om. Laissez-vous hypnotiser par lui. Une respiration. Om. Dites avec moi. Gratitude d'avoir réalisé le soi. Gratitude d'avoir réalisé le soi. Je m'aime. Je m'aime. Je suis. Je suis. Je. Je. Une respiration. Dites avec moi. Gratitude de recevoir la grâce de Ramana Maharshi. Dans cette vie et dans toutes mes vies, je me rappelle maintenant. Dans les yeux de Ramana Maharshi, je me rappelle ce que je suis. Gratitude.
de me rappeler, gratitude, de me reconnaître. J'appelle maintenant tous les maîtres ascensionnés, tous les archanges à m'accompagner dans la réalisation du soi, dans l'éveil. Une respiration. Restez dans les yeux de Ramana Maharshi et dites avec moi: je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Merci. Gratitude de recevoir maintenant les informations, les connaissances pour m'accompagner dans la réalisation du soi. Je me rappelle que je suis déjà réalisé. Je me rappelle de ce que je suis. Une respiration. Nous allons écouter une musique ensemble. Afin d'honorer cette initiation, ce contact.
Merci, merci beaucoup. Merci Ramana Maharshi, merci pour cette belle question. La question n'est pas si vous êtes éveillé. La question, c'est comment et quand vous allez vous rappeler que vous êtes déjà éveillé, que vous êtes déjà réalisé, que la conscience qui est une est déjà réalisée, évidemment, et que vous êtes cette conscience. La vraie question derrière, c'est pourquoi je ne me suis pas encore rappelé. La réponse, c'est pourquoi je suis encore identifié à quelque chose qui n'est pas moi. Ce que je suis est beaucoup plus grand que la personne, l'ego, le personnage. Car ce que vous êtes est la vie, la conscience, l'être, l'univers. Une respiration, nous allons faire un Om. Om. Merci pour vos belles questions. Alors, question suivante de Jocelyne. Pourquoi, malgré mon évolution, j'ai encore besoin de boire alors que je sais que la boisson, c'est à quoi bon? Voilà. Une respiration. Merci à tous et à toutes pour toutes ces belles questions, gratitude. Eh bien, je passe un super moment avec vous. Vive Internet, vive la technique, vive les journées de novembre. Alors, je répète la question de Jocelyne. Pourquoi, malgré mon évolution, j'ai encore besoin de boire? Donc la vraie question derrière, c'est qu'est-ce qui me reste à évoluer pour arrêter l'alcool? Une respiration. Alors derrière, revient la question des addictions. Alors, j'ai répondu déjà partiellement sur qui a des addictions, le corps de souffrance. La question, c'est qu'est-ce qui reste à vivre? Quelles sont les émotions à vivre? Qu'est-ce qui reste à pleurer, à crier pour libérer le schéma, le programme, la personne en toi? Qui boit? Qu'est-ce qui boit en toi et pourquoi? Pourquoi il y a ce déni de la vie? Pourquoi il y a cette fuite de l'humain et de la vie? Pourquoi il y a un programme dans ton mental, dans ton ego? Pourquoi il y a un programme en toi quelque part qui est dans le déni de la vie, qui prend une substance néfaste? Pourquoi il y a une partie de toi qui ne s'aime pas et quelle est cette partie? Voilà, c'est ça toute la question. Malgré ton évolution. Alors, une respiration. Donc, pour ce genre de questions, c'est plutôt une session privée parce qu'il faut aller très en profondeur.
En fait, il y a une partie ancienne qui veut s'autodétruire suite à un trauma, une souffrance qui n'a pas été résolue. Donc, la solution, c'est d'aller là où il y a ce trauma, cette souffrance, et de résoudre, et d'accepter de pleurer. Donc, la question derrière, c'est pourquoi je n'accepte pas certaines émotions qui me sont proposées dans la vie? Pourquoi c'est trop difficile pour moi maintenant de vivre certaines choses? Voilà. Et comment faire pour passer les étapes, c'est-à-dire s'autoriser à les vivre? Donc, on va dire quelques affirmations qui vont aider. Alors, une respiration. Dites avec moi, j'accepte mon incarnation humaine. J'ai le droit d'être humain. J'accepte de vivre toutes les émotions. Je réalise que je ne peux pas fuir. Moi, je réalise que je dois vivre ce que je suis, que je suis venu pour être moi, qu'il n'y a que moi. Voilà, merci beaucoup Jocelyne pour ta question. Alors, j'ai reçu l'information que les questions qui ont été envoyées après le 1er décembre, 22h04, sont quelque part dans le système informatique et qu'il y a un petit souci technique. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons essayer de retrouver les questions, parce qu'en fait, il y en a déjà beaucoup, mais elles se sont arrêtées jusqu'au 1er décembre. Et 22h04, donc gardez-les sous le coude, car je pense ou un nouveau système va être mis en place, ou nous allons les retrouver, et dans ce cas-là, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, donc vous inquiétez pas, toutes les questions seront répondues à un moment ou à un autre. Voilà, mais visiblement, le système est tombé en panne dans la nuit du 1er au 2 décembre. C'est marrant, hein? Bon, c'est comme ça. Tout est parfait. Ceci dit, il y en a déjà quand même déjà 50. Hein. Donc, on n'est pas en manque hein, non plus. Alors, c'est l'abondance de questions. Alors, nous allons passer à la question suivante. Justement, donc, Marie-Chantal, elle a fait 4 fois. Donc, une seule question par semaine. Hein, okay. Et les nouveaux en priorité. Alors, donc question de Yannick, pourquoi je ne trouve plus de travail? Donc ça, nous avons répondu tout à l'heure, c'est pourquoi je ne suis pas aligné avec ce que j'aime, ce que je suis, et derrière il y a qui suis-je? Donc ça, on a répondu tout à l'heure, en fait, il y a des questions qui reviennent aujourd'hui, donc c'est parfait. Plus tu vas être aligné avec ce que tu es, et plus tu vas activer Lakshmi, on a activé Lakshmi tout à l'heure qui nous a bien aidé, et plus tu vas pas trouver du travail, tu vas réaliser une activité, tu vas faire une activité qui t'aidera à avoir de l'argent et qui te permettra d'être rémunéré. Dans travail, ça veut dire esclavage, ça veut dire difficulté, la racine latine de travail, c'est pas bon du tout. Donc allez voir la racine du mot travail et vous allez voir ce que c'est. Une respiration. Alors, on va quand même faire quelque chose là-dessus par rapport à ce travail, car il y a des choses qui viennent, on va dire ensemble. J'élimine la croyance que je dois souffrir. J'élimine la croyance que je dois faire une activité qui me fait souffrir. Une respiration. Je m'autorise à faire une activité qui me plaît. Je décide d'être moi. Je réalise que je suis la vie, que je suis l'univers et que je créerai toujours
Des solutions. Des solutions. Alors, il y a dans ta question l'autre question, pourquoi il y a une dissension, un conflit entre l'être et l'ego? L'ego veut faire quelque chose, l'être veut faire autre chose. Dès que tu aligneras l'être et l'ego, c'est-à-dire que dès que l'ego sera au service de l'être, eh bien, tu trouveras du travail. Alors, une respiration. Alors, nous allons faire une petite pause, car je suis au syndicat des speakerines, et les speakerines ont décidé de monter un syndicat pour faire des pauses. Et pour vous aussi, ça va vous permettre de boire un coup, d'aller aux toilettes, de faire un câlin. Donc, attrapez quelqu'un que vous aimez et faites un câlin. En attendant, je vais vous mettre un petit film que j'ai réalisé qui permet de faire Ho Oponopono. Donc, ceux qui ont envie, ils peuvent toujours faire Ho Oponopono pendant ce film. Voilà, merci, à tout de suite. Allez, 10 minutes de pause à peu près. Voilà, 10-15 minutes. Restez à l'écoute. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses. Et désolé hein, pour le petit problème informatique, mais gardez votre question. De toute façon, on a toute la vie. À tout de suite. Il est 17h17, donc ça sera certainement 17h35. Voilà, à tout de suite. Une petite pause de publicité.
Thank you.
Hello. Gratitude, merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux. Merci pour cette belle journée. Alors, il reste quelques questions. Pourquoi je... Merci. Merci d'être avec moi. Alors, question suivante. Alors, une petite information. Donc, dimanche prochain, nous avons à 10h30 la méditation de groupe. Et les pourquoi je seront faits l'après-midi à 16h. Donc, vous avez le temps entre 12h30, 13h30 d'aller manger, de faire plein de choses. Et nous ferons les questions après l'après-midi. Donc, nous allons faire la méditation de 10h30 à 12h30. Et dans l'après-midi, plus tard, donc nous ferons les questions-réponses. Ça sera super chouette. Donc, je pense qu'il y aura 2-3 heures de méditation et 2-3 heures de questions-réponses. Voilà pour dimanche prochain. Alors, nous avons terminé les questions. Il en reste 5. Alors, question de Raphaël. Avec un nœud. Alors. Ah. Alors. J'aimerais vivre une relation plus profonde et harmonieuse, plus fun avec mon compagnon. Or, nos centres d'intérêt sont éloignés. Ah. Pourquoi je ne parviens pas à aimer davantage mon compagnon que je sens ne pas m'aimer suffisamment? Pourquoi je ne parviens pas à créer une relation plus amoureuse entre nous? Donc, la question derrière tout ça, c'est pourquoi tu es avec lui, en fait, hein? C'est un peu évident. Alors, la question, c'est pourquoi tu ne t'autorises pas à avoir une vraie relation authentique qui soit plus en adéquation avec ce que tu es? Alors, on va faire une respiration et un om. Om. Il y a derrière ta question, pourquoi j'ai la croyance que je peux changer ou que je dois changer mon compagnon, alors qu'en réalité, il est évident que chacun est comme il est, comme elle est, et que la seule chose que tu peux faire, c'est choisir quelqu'un de compatible avec toi. Donc derrière, il y a pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui ne m'aime pas et qui n'est pas compatible avec moi. Donc réponse, c'est parce que tu ne savais pas et tu as laissé passer le temps et puis finalement, ça ne convient pas. Donc maintenant, on arrive sur pourquoi je n'ai pas assez de courage pour changer de relation. Pourquoi je n'ai pas assez de courage pour trouver quelqu'un d'autre? Alors, une respiration. Om. Derrière, il y a la question, pourquoi je ne peux pas être moi-même? En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Si tu t'autorises, et si tu t'engages vis-à-vis de toi, à être toi à chaque instant, les choses vont se modifier toutes seules. Et oui. Donc peut-être que tu vas rester avec ton compagnon et que lui va évoluer parce que tu auras eu l'audace d'être toi. Donc la question c'est comment faire pour être moi-même à chaque instant, que ce soit avec ton compagnon ou dans le travail ou dans la vie en général. Plus tu vas t'identifier à la personne qui n'est pas toi et plus il y aura des choses qui ne te conviendront pas. Plus tu vas être toi à chaque instant, plus tu réaliseras ce que tu es et plus tu t'autoriseras le bonheur, la vie, la passion, et plus, tout sera facile dans ta vie. Tu vois, c'est extrêmement simple en fait. Il n'y a que deux voies, à droite ou à gauche. Et il y a la croyance que je ne peux pas trouver mieux derrière. Or, évidemment, si tu changes, tu trouveras mieux. Pourquoi? Parce que comme c'est toi qui crées ta réalité, les nouveaux conjoints que vous pouvez créer, hein, tous ceux qui me regardent, sont nécessairement des conjoints qui vibrent à votre vibration actuelle. C'est l'histoire des guitares dont j'ai parlé ce matin. Si vous mettez une guitare dans une pièce et que vous mettez 30 autres guitares dans la pièce, si vous faites un do avec la première guitare, et bien toutes les autres guitares vont faire do. Ça veut dire que l'univers est vibratoire et que ce que vous vibrez crée votre réalité. Soit à chaque instant vous vous identifiez à l'être qui va vibrer l'amour, la joie, le bonheur, et tout ce qui n'est pas amour, joie et bonheur et bien va sortir de votre vie. Soit vous vivez cette vibration d'amour, de joie, de bonheur et vous laissez apparaître dans votre vie, car il faut du courage pour laisser apparaître dans sa vie, et bien
tout ce qui est amour, joie, bonheur et paix. C'est très simple en fait, hein. Alors pour ça, il faut se désidentifier de l'ego, de la personne, il faut être authentique, évidemment. Alors, une respiration. Om. Donc du coup, derrière ta question, Raphaël, il y a la question pourquoi je ne suis pas authentique, pourquoi je me suis identifié à une personne qui n'ose pas. Réponse, parce que le hara, ce qui va te permettre d'être dans l'affirmation de toi, n'est pas assez développé. Du coup, il y a un personnage qui croit que, eh bien, faut dire oui à tout, et qui croit que le déni de soi, c'est pas grave. Eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, du point de vue de l'univers, que tu sois dans le déni de toi ou pas, l'univers, il s'en fiche complètement. L'univers, c'est toi. Donc, imagine que l'univers t'écoute à chaque instant. Donc, si toi, tu lui dis pas ce que tu veux à l'univers, en parlant à tous les gens autour de toi, en parlant à tes amis, à ton conjoint, à ta famille, en parlant à tout ce qui existe. Si tu ne dis pas à l'univers ce que tu veux, l'univers ne peut pas t'accompagner et te rendre heureuse. Alors, une respiration. Om. Voilà, merci pour ta belle question, Raphaël. Gratitude. Alors, question suivante. De Daleja. Pourquoi je fais sans cesse des crises d'angoisse? Alors, Daleja. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est angoissé en toi? Et donc, il y a peur du futur, peur de ne pas être capable, peur de ce qui va se passer, peur de la vie, peur de la jouissance, peur d'être agressé, la croyance que tu es victime de l'univers et la croyance que les gens te veulent du mal, la croyance que tu vas être agressé, oui, agressé, frappé, la croyance que le monde est dangereux, la croyance que les autres sont des ennemis. Alors, une respiration. Concentrer sur de la géométrie sacrée quelques instants. Om. Et nous allons méditer un petit peu sur cette musique quelques minutes. Om. Quelques respirations. Une respiration. Om. Alors la question, c'est qui a des crises d'angoisse? Évidemment, c'est le personnage. Pourquoi? Car il y a la croyance que les autres sont des ennemis. Une respiration, nous allons réinformer l'inconscient. Dites avec moi, après cette respiration. Om.
J'élimine la croyance que les autres me veulent du mal. J'élimine la croyance que je vais être frappé. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable. J'élimine ma peur du futur. Dites avec moi, je m'aligne à chaque instant avec l'être et je sais que je peux et je sais que je suis. Dans cette vie et dans toutes mes vies, à tous ceux et toutes celles qui ont essayé de me tuer. À tous ceux et toutes celles qui m'ont noyé. À tous ceux et toutes celles qui m'ont trahi. À tous ceux et toutes celles qui ont abusé de moi. Je vous aime. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Gratitude de réaliser. Gratitude d'aimer. Gratitude d'être. Le pardon. J'élimine la croyance qu'il va m'arriver quelque chose de mal. Je suis l'être. Je suis la réalisation. Je ne suis pas le personnage qui a peur. À tous ceux qui participent, merci pour votre belle présence, merci pour votre fidélité, merci pour votre fidélité, merci d'être là dans ce groupe magnifique. Nous sommes un groupe d'à peu près 1000 personnes avec à peu près 100-150 par semaine qui viennent et plus plein de rediffusions, voilà, et c'est super. Alors, question de Tiffaine. Bonjour Sébastien. Pourquoi je ne trouve pas le poids avec lequel je me sens bien dans mon corps? Merci tous les dimanches matins qui sont très intenses. Eh oui, gratitude. Alors, derrière ta question, il y a pourquoi je n'aime pas mon corps, pourquoi je n'écoute pas mon corps, pourquoi je ne laisse pas mon corps être ce qu'il est, pourquoi mon mental veut prendre possession du corps et pourquoi mon mental veut contrôler le corps. Pourquoi il y a... cette disharmonie entre mon corps et mon mental. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que tu es à la fois la conscience, la présence, la vie, et tu es aussi la vie qui s'est matérialisée dans ce corps d'humain et qui voit la réalité à partir du corps mental. D'accord ? Donc, tu es la conscience, tu es ni l'un ni l'autre, tu es les deux, et tu es même plus que ça. Alors, la question, c'est pourquoi mon mental ne communique pas bien avec mon corps? Voilà. Pourquoi mon mental et pourquoi l'ego dans le mental croit qu'il n'y a que lui?
Pourquoi l'ego, le mental, prend le pouvoir sur le corps physique? Et pourquoi je n'écoute pas mon corps quand il a faim et quand il n'a pas faim? Pourquoi je n'écoute pas mon corps quand il veut aller aux toilettes? Pourquoi je ne m'autorise pas à rôter, par exemple, à péter, à faire plein de choses? Eh bien, tout simplement à cause des conditionnements. Ce qui est important, c'est que tu te reconnectes à ton corps physique et que tu le laisses être, vivre. Voilà, bâiller, tout ce qu'il a envie. Alors, une respiration et nous allons dire des affirmations pour redonner la parole au corps. Dites avec moi, fermez les yeux, dites avec moi à mon corps physique. Je t'aime. Gratitude d'avoir un corps physique. Gratitude d'être humain. Je m'autorise maintenant, dans cette vie et dans toutes mes vies, à être humain. Je suis l'amour. Je suis mon corps physique. Pour toutes les femmes et pour Tiphaine, je suis Gaïa. Je suis la vie. À mon corps physique, je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Je t'écoute maintenant. Je fais du sport. Je fais des massages. Je fais des étirements. Je mange quand j'ai faim. Je vais aux toilettes quand j'ai envie d'aller aux toilettes. À mon corps physique, tu es mon temple. Je suis la vie. Je suis la vie qui se vit. Je suis venu manifester tout ce que je suis dans ce corps. Gratitude d'avoir reçu un corps. Je m'engage à respecter mon corps physique et à respecter le corps des autres. Je suis reine dans mon royaume. Je suis une déesse. Je suis le temple de l'amour. Je suis le temple de la vie. Je suis le temple de la reproduction. Dans cette vie et dans toutes mes vies, à mon corps physique, je t'aime, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je te pardonne tout,
merci. Gratitude d'aimer. Gratitude d'être aimé. Gratitude de faire l'amour avec amour. Je m'abandonne à mon corps physique. Je m'autorise toutes les jouissances de la vie. Merci. Merci beaucoup pour cette belle question. Alors, je reçois beaucoup de témoignages, comme ça fait un an que nous passons du temps ensemble, chaque dimanche. Eh bien, ça fait un an que nous évoluons ensemble, que nous nous éveillons ensemble. Et ça fait un an, et même plus, que je reçois plein de messages. Merci, merci pour tous ces messages et merci eh bien, de témoigner sur les effets de notre pratique. Alors, plus que deux questions. Alors, question de Sacha. Pourquoi ma vie est-elle sur pilote automatique? Je n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Donc, la question derrière, c'est pourquoi je ne sais pas qui je suis? Donc ça tombe bien, il y a un livre qui s'appelle « Qui êtes-vous ?» Et vous verrez tout à l'heure dans le petit film avec le Père Noël que eh bien, vous pouvez l'acquérir sur Amazon. Voilà, et une fois que vous saurez qui vous êtes, votre vie ne sera plus en pilote automatique. Donc la question derrière, c'est pourquoi je m'identifie à un système d'auto-sabotage qui m'empêche d'être moi? Pourquoi je ne m'autorise pas à vivre la passion, les passions, à vivre l'amour? Pourquoi je ne m'autorise pas à faire ce qui me plaît? Pourquoi il y a un système de fuite et un système d'auto-sabotage? Et pourquoi il y a une opposition entre l'être et l'ego, hein? C'est pour ça que tu dis que je n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. En fait, c'est une illusion. L'être est. L'ego, lui, il a l'impression qu'il ne prend pas les bonnes décisions parce qu'il a la pression qu'il prend des décisions. Or, en réalité, l'ego, il prend aucune décision. C'est juste un programme automatique, justement, comme tu dis, qui est à la dérive, hein, et qui ne comprend pas pourquoi il est là, quel est le sens de la vie, quel est le sens de tout ce bazar, hein, pour être poli. Alors, on va faire une respiration ensemble. D'être avec vous, merci, merci, merci. On a bien travaillé hein, ce week-end. Hein. Alors là, fantastique. Hein. Dire que ça va être comme ça tous les dimanches, c'est super complémentaire de vos activités, de votre travail et de tout ce que vous faites, puisqu'en fait, nous modifions toutes les croyances limitantes ensemble et il y a travaux pratiques après pendant 7 jours. Eh oui, car il faut bien une semaine pour mettre en pratique eh bien, tous les changements que nous réalisons. Et c'est ce qui se passe avec les témoignages, donc vous me dites que votre vie change, et donc c'est pour ça que je continue. Et j'amplifie même le mouvement, comme vous avez remarqué. Alors, comment faire donc pour prendre les bonnes décisions? Donc il y a la croyance qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Et oui, or il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions, il n'y a que l'être qui vit. Donc soit tu vas faire une expérience, soit tu en feras une autre. Mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises expériences, puisque tout est expérience. Donc l'être, lui, il est content de vivre sa vie d'humain et de faire des expériences. L'ego, lui, il croit qu'il y a des bonnes et des mauvaises, il croit qu'il doit avoir une stratégie, il croit plein de trucs qui sont totalement faux. Alors, une respiration, on va faire un home ensemble. Oh.
fermer les yeux. J'élimine la croyance qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions. J'élimine la croyance qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Il n'y a que moi. Je suis moi. À chaque instant. Et ma légende personnelle se réalise. Je suis l'être. Je suis l'âme du monde. Gratitude de recevoir la grâce de Paulo Coelho. J'active le courage en moi. D'être moi. Je me fous. Je me fous de ce que les autres pensent de moi. Je ne suis pas venu pour faire plaisir. Je suis venu pour être moi-même. Et je suis moi. Maintenant. Super, merci beaucoup Sacha. Bonne continuation. Alors, dernière question de Raguin et Emmanuel. Alors, Emmanuel. Alors, pourquoi je suis limité dans mon abondance financière à avoir toujours juste assez sans manque, mais sans aisance, même petite? Alors, pourquoi, derrière, il y a pourquoi tu ne t'autorises pas à vivre vraiment? Pourquoi tu ne t'autorises pas la passion? Pourquoi tu ne t'autorises pas la folie? Pourquoi tu ne t'autorises pas à être déraisonnable? Car en fait, si tu es dans cette situation, c'est parce que il y a ce manque de vie, ce manque de courage. C'est la résultante, en fait, d'un état d'esprit. Alors, on va faire une respiration et un om ensemble. Donc derrière, il y a pourquoi je suis tiède, pourquoi je n'ose pas, pourquoi je ne prends pas de risques, pourquoi j'ai la croyance que je suis victime de l'univers et que si je prends un risque, je vais perdre. Et oui, il y a eu dans ta vie plein de moments où tu as eu des opportunités. Et à chaque fois, ça a été, ah non, je ne prends pas le risque, je conserve ce que j'ai. Voilà, je ne prends pas le risque de perdre. Donc il y a derrière ta phrase, pourquoi j'ai peur de perdre? Pourquoi je préfère ne rien faire ou jouer petit? Oui, pourquoi je joue petit? Alors qu'en vérité, tu es le héros de ta vie et tu es aussi grande, aussi héroïque. Tu es une héroïne. Tu es aussi héroïque que les plus grandes de ce monde. Oui, tout à fait, Emmanuel. Alors, on va dire des affirmations pour toutes les femmes et je vais vous remettre, parce que j'aime beaucoup en fait ces photos de femmes sacrées. Et pour la semaine prochaine, évidemment, vous allez avoir plein de belles autres photos de femmes sacrées. Celle-là est très bien. L'abondance, justement, c'est pile poil ce dont tu avais besoin. Voilà. L'abondance financière. Regardez comment elle est belle. Regardez cette magnifique abondance. Abondance dans tous les domaines, d'ailleurs. Une respiration. Regardez bien cette belle photo. Connectez-vous à l'abondance, symbole de cette photo. Connectez-vous avec moi à cette musique.
Médite avec moi. Je suis l'abondance. Je suis l'être. J'active maintenant dans cette vie et dans toutes mes vies. J'active Lakshmi en moi. Je crée maintenant mille vies où je suis maître de l'abondance. Je crée mille vies où je suis millionnaire. Je crée mille vies où je suis disciple de Lakshmi, la déesse de l'abondance. Je crée un canal de communication avec Lakshmi. Et je me rappelle maintenant, je me rappelle de tous les enseignements de toutes ces vies. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable. Je dissous maintenant tous les programmes négatifs qui m'empêchent d'être moi. Je suis moi, la conscience universelle, l'amour absolu. Je suis la création. Je suis la vie, je suis l'être, et je m'autorise à être. J'active le courage en moi, je m'autorise à faire, je réalise que le risque n'existe pas, qu'il n'y a que l'amour de moi. J'active le courage d'être moi. Je m'abandonne à l'être en moi. Je m'abandonne à moi-même. Je neutralise l'auto-saboteuse et je réalise ma légende, personnelle. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'était la dernière question.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour cet après-midi. Merci pour cette matinée. Merci pour notre communion. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre participation à la pratique. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à l'Internet. Merci à l'informatique. Merci à vous. Alors nous allons maintenant ouvrir les yeux et revenir dans notre corps, car je sais que beaucoup d'entre vous sont totalement perchés. Alors l'idée c'est de revenir, car c'est de plus en plus facile de partir, c'est de plus en plus facile de modifier l'inconscient, et à un moment, il faut revenir. Alors, bon, je sais, il est 18h10. D'habitude, ça dure moins longtemps. Mais c'est Noël, voilà, et donc il y avait besoin. Alors, nous allons faire des petits exercices pour nous reconnecter à notre corps physique. Voilà. Alors, faites comme ça avec moi. Voilà, on revient. Revenez, madame. Revenez, monsieur. Voilà. Regardez bien, gardez les yeux ouverts surtout, ne fermez pas les yeux. Faites le gorille. Bon. Ça marche bien ça. Voilà. Alors ceux qui sont très perchés, il faut frapper très fort, sans se faire mal. Voilà. Ça réveille ça. Là, même les perchés, ils reviennent avec ça. Comment ça, je suis perché? Mais non, je suis pas perché. Oh. On revient, des étirements. Vive le Qigong! Vive les maîtres Shaolin! Alors, gratitude d'avoir fait un beau dimanche. Et donc je vais vous souhaiter eh bien, un bon week-end. Bon, ok. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, c'est plus logique. Merci d'avoir participé. Alors, ce qui est bien, c'est que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, la méditation, dire des affirmations, eh bien, ça va vous permettre d'avoir un bon lundi et de bien vous incarner, de bien manifester. Donc si il y a des gens qui ne vous supportent plus, eh bien, c'est normal, c'est parce que vous refusez le déni de vous-même. S'il y a des personnes qui partent, c'est qu'elles ne vous aimaient pas. Donc c'est normal aussi. Donc s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui tombent amoureuses de vous, c'est parce que vous rayonnez. Donc c'est normal. Voilà, si votre vie change complètement, c'est normal. Si vous mangez différemment, vous arrêtez de manger des cadavres d'animaux, c'est normal, c'est que votre conscience augmente. Donc si vous devenez végétarien, végétalien, c'est normal. Si vous arrêtez de fumer, c'est normal aussi. Si vous arrêtez de boire de l'alcool et de prendre des drogues, c'est normal. Une respiration, on va faire un home, les yeux ouverts. Progressivement dans les mois qui viennent, à être ancré dans la présence et à être ancré tout en étant connecté au centre de la galaxie. Et pour cela, il faut faire tout ce que nous faisons, mais les yeux ouverts. Oui, c'est un message personnel pour Sébastien Sauchard, bien entendu. Il n'est pas idiot. Alors, au programme dimanche prochain, donc 10h30, la méditation. Ensuite, 16h, les pourquoi je. Donc, vous avez remarqué qu'il y avait une évolution constante et exponentielle depuis quasiment un an. Et après 52 ateliers, hein, l'anniversaire, ça sera en décembre, hein, depuis la première émission sur Arunachala. Donc, on fêtera ça dignement. Et cette évolution, c'est une évolution informatique, de logiciel, de contenu. Donc, tous ceux et toutes celles qui veulent faire des vidéos avec moi, tout simplement en parlant, en étant enregistré avec moi,
en différé, hein, pas en live, vous inquiétez pas, ça peut être en live aussi, eh bien contactez-moi, car j'ai besoin de contenu, j'ai besoin de personnes comme vous, d'êtres comme vous qui vont dire « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je te pardonne tout, merci ». Voilà, je vais avoir besoin de ça pour faire plein de petits films vidéo. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes revenus? S'il y en a qui ne sont pas revenus, vous pouvez me contacter, voilà, et appeler notre hotline d'urgence, car on est une hotline SOS spiritualité, SOS crise spirituelle, et aussi SOS Kundalini Awakening, donc éveil de Kundalini. Et oui, et on sait faire tout ça. Alors, je vais maintenant vous remettre plein de petits films et vous pourrez alors soit vous reposer. Ah oui, après une journée comme celle-là, ce que je recommande, donc c'est des bains chauds avec du sel ou sans sel si vous n'avez pas de sel. Je recommande aussi des douches, je recommande des massages, je recommande du repos, de la natation. Voilà, tout ce que vous avez envie, une reconnexion au corps physique. Ne pas faire d'activité mentale et surtout bien dormir. Et si la journée vous a fatigué, eh bien, si la journée vous a fatigué, vous pouvez dormir, car c'est en dormant que vous allez intégrer. Voilà, j'espère que tout le monde est revenu. Voilà, merci, merci, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas regardé les deux émissions d'aujourd'hui, eh bien, il va falloir trouver 4 heures et je ne sais pas combien. Et voilà, et donc ça va être beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, on va vous couper ça en petits morceaux, en petits films et on les mettra sur YouTube et Facebook. Gratitude à tous ceux qui nous aident, car nous sommes une communauté maintenant. Si vous avez besoin de nous aider pour faire des travaux informatiques, alors par exemple des découpages de vidéos en petits morceaux, des retranscriptions, des traductions, voilà, contactez-moi, contactez-nous. Si vous avez envie de session privée, c'est possible aussi. Voilà, donc nous avons besoin d'augmenter l'équipe, car comme vous remarquez, nous sommes exponentiels. Voilà, merci. Si vous voulez participer à l'éveil de la planète, eh bien partagez cette vidéo, partagez voilà, tous les messages. Et revenez dimanche prochain. Donc très prochainement, et je l'annoncerai sur mon mur, le système informatique de prise de questions eh bien, va refonctionner. Hein. Forcément, il ne peut pas rester en panne de façon infinie. Voilà, et donc là, vous pourrez reposer des questions pour dimanche prochain. Merci, merci. Alors je vais maintenant vous mettre des petits films avec voilà, le fameux Père Noël que j'ai trouvé. Alors, cette vidéo de Père Noël, eh bien, je vais aussi la diffuser sur YouTube, Facebook. N'hésitez pas à la donner à vos amis. Voilà. Et si vous avez envie aussi d'offrir des livres pour Noël, eh bien, les livres, qui êtes-vous? Donc, il y a 5 euros la version de démonstration d'essai. Et sinon, bah, le 18 euros la version complète. Voilà. Et c'est les livres qui vont financer toutes ces émissions. Voilà. Merci, merci de participer. À bientôt. Gratitude. Allez, un home de fin, les yeux ouverts. Oh.
Thank you.